Ah, le Maroni, là-bas le Suriname, et ici le Clap Fifac au camp de la transportation. Plus qu'une journée à passer en votre compagnie, mais pour l'heure, action! Le petit plus du Fifac 2020, c'est le côté connecté. Et nous en avons profité pour discuter avec Amelia Sarmento. Elle est productrice et le Fifac 2019 aura fait parler de la Guyane et aura permis surtout des rencontres. Amelia, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci à vous. C'est un plaisir d'être là avec vous. Alors, le Fifac 2020 a été aussi l'occasion pour vous de prendre part à des présentations, ce qu'on appelle pitch dans le domaine, avec de jeunes réalisateurs. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur, comme on dit ? Oui, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que c'est aussi ma première fois à Doc Monde qui organisait en pitch. Et c'était une très belle expérience, des très belles projets. Et j'espère qu'on a fait des très beaux rencontres. Vous avez aussi, grâce à ce fameux Fifac 2019, la première édition, fait de belles rencontres avec notamment Elisère Arias, qui nous aura marqué, qui lui avait pu profiter d'un pitch présentiel avec des producteurs sur place. Mais vous l'avez rencontré un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Ce qu'il a rencontré sur place, c'était Dominique Garin, qui est producteur à vidéoproduction, et que je suis sûre que ça va devenir un hyper bon film. Ouais. Le Fifac 2020 vous aura permis donc de faire de belles rencontres. Alors, on espère peut-être que Amelia Sarmento sera avec nous pour le Fifac 2021. Oui, bien sûr, j'espère. S'il n'y a pas des autres projets en cours, je ne voudrais pas y être, mais c'est sûr que quelqu'un de vidéoproduction sera présent. Très bien. La Guyane, pour vous, est-elle une terre d'avenir concernant l'audiovisuel, le documentaire, le film en général ? Vous en aviez déjà entendu parler avant ? Oui, et je pense que c'est très intéressant pour sa position géostratégique, si je peux dire, avec la proximité et l'ouverture à toute l'Amérique latine et toute la richesse qu'il y a, et permettre la rencontre entre des cultures, entre la langue française, l'espagnol, l'anglais, tout ce mélange qui fait de cette terre très, très, très riche et très intéressante. Très bien. Alors, Amelia, un grand merci d'avoir pris le temps de nous accorder quelques minutes. Vous restez avec nous parce que le Fifac, parce qu'il est connecté, vous pourrez le voir. Mais vous, vous restez à la maison et vous profitez de l'actu festi du jour parce que le Fifac 2020, c'est ici, au camp de la transportation. Et c'est donc forcément à vous que nous adressons pour nous parler de votre point de vue. Dernière, j'avais beaucoup plus de mal à envisager de visionner le maximum de documentaires. Et donc avec cette possibilité-là, à cause du Covid, je pense que ça permet encore plus de pouvoir visionner les documentaires, les courts-métrages. Là, je viens de voir le film intitulé Café Nègre. Et en fait, ça parle des Haïtiens qui sont partis à Cuba pour justement cultiver le café et la canne à sucre. Et c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Et là, par rapport à ce film, on sait que maintenant, il y a la culture haïtienne et la culture cubaine, ça fait qu'une. Mettre à disposition des films pour tout public, et pour tout âge et pour toute culture, c'est très enrichissant. Ça permet de ne pas oublier, d'apprendre et de partager avec tous. J'aime bien, franchement, le concept. Je kiffe et puis il faut innover, bien sûr. À chaque année, on évolue, chaque année, on apporte de nouvelles idées. C'est comme ça, un projet, ça se grandit, tu vois, c'est comme un petit bébé. Moi, je dis que c'est une très bonne ambiance, un bon état d'esprit. Et je dois aussi dire que les sélections cette année, les films sont, c'est vraiment au top.
C'en est déjà presque terminé de votre clap FIFAC du jour, mais nous ne pourrions pas nous séparer sans vous donner quelques rendez-vous importants. Avec la Martinique ce soir à l'honneur, grâce à ce portrait de monsieur Claude Coquil, artisan plasticien, vu et observé par Vianney Sauté et William Zébina, ce sera à 20h30. Et puis demain, le rendez-vous à ne pas manquer, l'annonce officielle du palmarès FIFAC 2020, c'est à 19h, ici au camp de la transportation. Et puis sur les réseaux sociaux, bien entendu. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain. Coupez !